Bonjour tout le monde, Bezrat Hashem, et demain on est la fête du septième jour de Pessah, que le grand miracle que la mer elle s'est déchirée, c'est marqué « Ubnei Israël ouvrim bayabasha betoch hayam » et c'est marqué que Am Israël il passe dans la terre, dans la mer. Ça veut dire que l'eau, c'est marqué qu'il était des deux côtés, comme une muraille. Ça veut dire que l'eau, est, comme il s'est déchiré en deux, en Israël, ils ont passé, c'était le côté droit et gauche, comme une muraille. Chachamim, il dit, c'est un miracle et très, très, très bizarre que l'eau, il était des deux côtés. Ça veut dire que c'est comme s'il ne pourrait pas passer si Akadosh Baruch Hu, il sèche complètement la mer et en Israël, il passe. Pourquoi on avait besoin que Akadosh Baruch Hu, il met l'eau des côtés droite et gauche? Ça veut dire que Chachamim il dit, il faut savoir que tout ce qu'il y a dans la mer, il y a dans la terre. La mer, c'est quelque chose qui est toujours caché. Quand on voit la mer, on ne voit pas tous les poissons, tous les sorts de poissons, tous les sorts des arbres qu'il y a. Ça veut dire que la mer, elle présente quelque chose qui est un monde qui est complètement caché. Et la terre, c'est quelque chose qui est dévoilé. Chachamim, il appelle cet monde-ci la mer et le Olam Haba, la terre. Ça veut dire que la terre, c'est quelque chose qui est tout dévoilé. Quand Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer en deux, il a comme s'il a enlevé toutes les et toute la clipa, toutes choses qui l'ont voilé et ce qu'il était caché. Et même spirituellement, il y avait vraiment un dévoilement d'Hachem dans un niveau que jamais il y a eu comme ça. Et Chachamim, il dit, comment ça se fait qu'Am Israël a eu cette mérite quand même, que la mer était sur leur droite et sur la gauche. Il faut savoir que l'eau, il présente la Torah. Et comme un juif, il est comme une muraille. Parce que la plupart des temps, un homme, il peut changer. Une fois, il est comme ça, après, il change son avis, et l'humeur, et ça dépend de beaucoup de choses. Mais comme il est comme une muraille, ça veut dire pour lui, et faire l'avodat Hashem de toute situation, il peut arriver à des niveaux infinis. Maintenant, il y a chacun de nous, on a tous des côtés de chesed et de rigueur, un peu de bonté ou de rigueur. Ça veut dire que des fois, la Torah nous ordonne de faire des chesed. Mais il y a des fois, chesed c'est encore, à la limite c'est facile pour certaines personnes, mais quand il doit être rigueur, ils n'arrivent pas à le faire. Par exemple, Avraham Avinu, il était cool au chesed. Rivka, il était cool au chesed. Donne au chameau à boire, Avraham Avinu. Et il cherchait des invités, il était malade s'il n'avait pas des invités. Donc c'est quoi les nissayons d'Avraham? C'était justement quand il devait envoyer son fils, quand il devait faire les choses qui sont contre sa nature. Yitzhak était coulant rigueur. Pour lui, Chesed, c'était sa nissayon. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, par exemple, quand il a mis Avraham Avinu qui est coulant Chesed, sa femme Sarah, elle était coulant rigueur. Shlach et Anar, savez, Avraham, il a un fils, Oved Avodah Zara, Ishmael, et lui, tout va bien, il ne voit pas le mal. Hachem, il lui a mis Sarah, il lui dit, on voit cet enfant. Ça veut dire que Sarah, elle est la rigueur, et les nissayons d'Avraham, c'était le plus difficile pour lui, ce n'est pas le chesed, parce qu'il est chesed, c'était la rigueur. Donc, quand l'homme, il arrive à faire le gvura et le chesed, et de droite et de gauche, donc
sans est-ce que ça m'arrange, est-ce que ça c'est beau pour moi, c'est facile pour moi. Il le fait parce que c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu veut que je fasse cette mérite de faire l'avodat Hashem sans aucune limite. Elle peut ramener à l'homme qu'Akadosh Baruch Hu il ouvre pour lui la mer en deux. Et tout ce qu'il était voilé, il va devenir dévoilé. Ça veut dire que chacun de nous, on a des forces cachées en nous, qui sont au niveau comme un petit monde, parce que Arizal, il dit que le monde, c'est un grand monde et l'homme, c'est un petit monde. Donc chacun de nous, on a notre monde à nous qui est caché complètement, que même nous, on ne le connaît pas. Mais comme on décide de faire l'avodat Hashem sans aucune condition, on va créer en nous le déchirement de la mer en deux. Ça veut dire à l'intérieur de nous. Et là, on peut dévoiler des forces qui sont spéciales, qui sont cachées pour nous, en nous. On va réussir à comment on dit, à chacun de nous, on a des buts. Chacun au monde, il est unique pour faire une chose unique que pour lui. Mais quand il arrive à dévoiler cette force qu'il y a à l'intérieur de lui, en même temps, il arrive à se remplir sa tâche dans la meilleure manière. Donc, on arrive à cette fête de Shvi'i de Pessah, que c'est on va dire, la fin et de toute l'histoire d'Yetziat Mitzrayim. Donc, Bezrat Hashem, que cette fête, il va nous amener toutes les kochot pour finir cette galoute. Et on a dit plusieurs fois, hein, les Gola et les Geoula, il manquait les Aleph dans les Gola. Et déjà, tu es dans les Geoula. Si on arrive à rentrer à Kadosh Baruch Hu, que les Aleph, ça symbolise Alufo Shel Olam, ça c'est Hashem. Si on arrive à rentrer à Kadosh Baruch Hu, mais vraiment comme il faut dans notre vie, pas de temps en temps, pas quand j'ai des raisons ou quand j'ai besoin. Maman, je vive Hachem dans l'intégralité, vive Akadosh Baruch Hu dans le quotidien, dans chaque respiration. Je sais qu'il est, il est là. Mon problème, que les choses que je vois, et j'ai plus de facilité à les donner une existence. Mais le travail, c'est que je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là. Mais si je veux grandir et rentrer plus Hachem dans ma vie, il faut que je le laisse la place. Asul Mikdash ve Shachanti Betocham. Il faut que je fasse cette place à Hachem. Et le meilleur moment de le faire de la place et de créer la place, si elle n'était jamais créée, c'est aujourd'hui. De plonger à l'intérieur de chacun de nous. Chacun plonge à l'intérieur de lui et il sort de lui ses trésors cachés. Quand il comprend que tout ce qu'Hachem nous demande, ce n'est pas pour nous alourdir la tâche, c'est pour que on trouve ce trésor qu'il est caché à l'intérieur de nous. Chag Sameach à tout le monde.